s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Oh oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Eh, hey, salut les merguez. Oh non, pas aux îles. Comme si je savais pas. Et putain, mais t'es vraiment un connard, hein. Bah les gars, ouais, vous me manquez, et faire des lives ça me manque, voilà, c'est vrai que je me fais un peu chier, quoi, mais j'ai qu'une parole les gars, j'ai dit que je ferais plus de lives, que c'était fini YouTube, j'ai qu'une parole, je suis pas une girouette, comme je vous l'ai dit, je veux pas dire ça une semaine, la semaine d'après dire, voilà les gars, je vais faire des lives sur Twitch tous les jours, je l'ai pas dit, parce que j'ai dit que je faisais plus de live sur YouTube, mais du coup j'ai le droit de faire des lives sur Twitch, les gars. Y a pas, vous pouvez, je suis inattaquable. Je suis pas, j'ai qu'une parole. Putain, il est fort ce con. En fait, les gars, je me suis rendu compte que tous les jours, en fait, j'étais là en train de jouer tout seul ou avec mes potes de 14h à 16h. Pourquoi pas faire des lives en même temps, tu vois? Mais sur Twitch. Et pourquoi sur Twitch? Je sais que là tu te dis, mais toi, pourquoi il fait sur Twitch, les gars? Il a 20 000 abonnés sur YouTube, pourquoi il fait sur Twitch? Bah parce que j'ai envie un petit peu de repartir à zéro, tu vois. Et je me dis que les gens vraiment qui me suivront de YouTube à Twitch, bah c'est vraiment des gens qui me kiffent, tu vois. Donc ça me plaît. De deux, tu peux mettre des musiques, tu vois. Sur Twitch, tu peux live et mettre de la musique en même temps. Et franchement, une bonne partie de PES 2020 sur un bon Daniel Guichard ou un petit Serge Lama, franchement, là, on va kiffer, les gars. Alors, en fait, je vous donne rendez-vous, les gars, dès mardi, 14h, 16h, pour du live. Et en fait, ce que je vous propose, c'est de venir ici avec moi. Et puis, des fois, il y aura du jeu vidéo, PES, du Dead by Daylight que j'adore. Ceux qui connaissent pas, bah voilà. Pourquoi pas du Warzone et puis, pourquoi pas, des fois, regarder des émissions ensemble, des vidéos, de la musique. Voilà, c'est juste passer du temps ensemble. Et puis, juste kiffer parce qu'au début, je voulais pas refaire de live. Et comme je vous l'avais dit, je me dis, mais ça va pas vous plaire. Je vais faire des jeux, ça va pas vous plaire. Le problème, c'est que je pensais encore comme un YouTuber. Le YouTuber, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des trucs pour plaire à son audience. Moi, je m'en fous en fait de ça maintenant. Je veux faire un truc qui me plaît à moi. Et donc, je vais faire des trucs qui me plaisent puisque je vais faire ce que je fais d'habitude. Mais en le partageant avec, voilà, quelques personnes qu'il y aura sur le chat. Et rien que ça, c'est kiffant. En plus, sur Twitch, les gars, pas besoin de se faire chier à faire des miniatures. Donc, je vais gagner du temps parce que... Voilà, j'ai pas trop le temps. Après 16 ans, je repartirai faire ma tournée du soir. Donc ça peut être plutôt cool. On va essayer, je vais faire un essai, je pense jusqu'au 11, jusqu'au déconfinement. Et je vais voir vraiment si ça me fait kiffer, je continuerai. Mais voilà, j'espère que vous serez là, les amis. Le lien est bien sûr dans la description. Donc sur Twitch à partir de mardi, 14h, 16h. J'espère que ça vous fait plaisir. Voilà, en tout cas... moi, depuis quelques jours, ça me trotte dans la tête et du coup, je suis grave motivé. En plus, je suis poussé par Arès, Sofiane et Hidekun, hein, les frérots vraiment qui ont été toujours là depuis ces 6 mois-là et qui m'ont toujours soutenu, etc. et qui me motivent. Donc voilà, les amis, je vous fais des gros bisous et du coup, je vous dis à mardi si ça vous fait plaisir et si vous avez envie, les amis. Allez, ciao.